Hello tout le monde, on se retrouve sur Zelda Tears of the Kingdom pour vous montrer comment obtenir la tenue de rêve issue de Zelda Link's Awakening. Alors pour commencer, on va se rendre vers l'ouest d'Hyrule pour aller aux colonnades antiques. Une fois qu'on est sur les lieux, on va grimper tout en haut de ce pilier et actionner le mécanisme qui permet d'ouvrir un passage secret. Il ne nous reste plus qu'à sauter dans ce trou pour y retrouver tout au bout de la grotte la tunique de rêve. Ensuite, pour le deuxième coffre, direction le centre d'Hyrule, et on se dirige vers les ruines de l'amphithéâtre. Alors je préfère vous prévenir, mais pour pouvoir vous y promener tranquillement, on devra tout d'abord vaincre un Grioc électrique. Et une fois qu'on l'a battu, on va se diriger vers le sud de l'arène. Avec emprise, on va venir saisir cette épée, puis on va la placer dans les mains du chevalier d'à côté. Et voilà, le coffre se trouve au fin fond de cette grotte. Et enfin, pour avoir le masque, on va se rendre cette fois-ci dans les collines d'Hyrule, et plus précisément sur le plateau du Tonnerre. Alors on va commencer par couper un arbre, puis on va le déplacer pour le rapprocher des trois autres troncs qui sont un peu plus loin. Donc pareil, on va les couper. Et on va venir coller ces quatre troncs l'un à l'autre. Ça va alors former un énorme bâton, et on va le positionner comme ceci sur cette tour à gauche. Et une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à attendre l'heure du midi. Donc soit on patiente, ou bien avec un silex et un fagot de bois, on peut directement se mettre à l'heure avec un feu de camp. Et maintenant qu'il est midi, on va commencer par grimper sur ce pilier. Ensuite, avec emprise, on va venir récupérer ce gros morceau de bois et on va le placer parallèle à nous. Et on va un peu l'éloigner jusqu'à ce que son ombre touche le pilier d'en face. Et voilà le travail! Il ne nous reste plus qu'à sauter dans cette grotte pour y retrouver notre masque. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. Si elle t'a aidé comme d'habitude, n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner. Tous mes liens sont dans la barre d'infos et moi je te dis à très vite pour de nouvelles astuces. Bye bye!